notre pays traverse une situation de crise extrêmement sérieuse. Et nous voudrions simplement inviter aux jeunes à la retenue et surtout également de faire recours aux aînés, aux grands-parents, aux papas, pour vraiment qu'ils essaient de les guider dans cette dynamique d'améliorer le vivre ensemble. Alors, nous pensons que les jeunes sont notre espoir. Nous ne pouvons construire un Burkina sans les jeunes. Il faut également des jeunes qui soient responsables et qui soient conscients des enjeux de notre avenir, de l'avenir de notre Burkina Faso. C'est pourquoi je voudrais simplement les inviter à la retenue et face à certaines personnes ou à certains groupes qui seraient vraiment tentés de les associer à leur entreprise de destruction de notre pays. Alors donc vraiment beaucoup de retenue et surtout un recours permanemment aux anciens, aux vieux, aux aînés.